السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بالنافلة سيد أحمد، étudiant 6e année médecine. Et dans la série des cas cliniques, aujourd'hui, on va commencer avec le premier dossier. Avant de commencer, t'as pas de pause pour faire une première lecture ou bien pour voir les questions. T'as pas même de pause et essayer de répondre en détail à le cas clinique dans une durée de 30 ou la 40 minutes. Ou après, dire une petite comparaison entre la réponse typique et vos réponses. Il faut noter aussi qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller directement répondre aux questions. Je vais profiter un peu de l'énoncé. Ainsi, je vais rejoindre le thème Tana, juste pour insister un peu à l'analyse d'un cas clinique et comment ordonner les données. Alors, bismillah, nabdaou. Une première lecture rapide. On a une femme âgée de 25 ans. Consulte pour palpitations évoluant depuis 1 à 2 mois. Dans ses antécédents, on note un paroxysme actif à 14 paquets années, une annexotomie droite sur torsion d'annexe droite, des coliques néphritiques à répétition et un herpès génital récurrent. Elle vous précise d'ailleurs que sa mère a un lupus érythémateux disséminé et que son père a fait un infarctus de myocarde il y a un an. Son traitement habituel comprend citrate de sodium, allopurinol, acyclovir et jasmine qui contient de la drospirinol et éthinyl estradiol, c'est une pilule contraceptive. La patiente vous raconte qu'elle se sent fatiguée depuis 2 mois. Elle a d'ailleurs perdu 2 kg parce qu'elle pèse actuellement 56 kg pour 1,72 m malgré un appétit qui semble conservé. Elle se demande si cela n'a pas rapport avec une tendance à la diarrhée. Les palpitations ont commencé à peu près à cette période. L'anamnèse vous permet de préciser qu'il s'agit plutôt d'une sensation de cœur accéléré, plus ou moins permanente. À l'examen clinique, on a à l'auscultation cardiaque, les bruits du cœur sont normaux, réguliers, fréquence cardiaque à 110 et son souffle. La pression artérielle est à 130-65 et il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. L'abdomen est souple, indolore et sans masse palpable. La thyroïde est hypertrophiée de façon homogène avec un souffle à l'auscultation. Les aires ganglionnaires sont libres et indolores. Les yeux paraissent brillants et exorbités. Question: quel est votre diagnostic? Justifiez votre réponse. Quel examen complémentaire demandez-vous? Quels sont les principes de votre prise en charge? On a fait la lecture rapide, donc, nous avons les questions, nous avons juste analysé l'énoncé TANA pour essayer un peu d'extraire le maximum de données ou de faire quelques remarques utiles en pratique. Et après, on va commencer à répondre à la première question. Déjà, après cette première lecture, le diagnostic. On ne va pas directement dire ce qu'est le diagnostic, mais on va essayer de traiter le cas en détail. Premièrement, on a une jeune femme de 25 ans en âge de procréer. Donc, toujours, on a dit une jeune femme en âge de procréer, fulbrouillante, comme toujours, bêta-ACG. Et vous pensez à la grossesse parce qu'il se peut être enceinte et tu mets tous les médicaments contre-indiqués ou dans le contexte d'une scintigraphie ou les médicaments les radis mettent de l'homme qui a certains médicaments contre-indiqués. Si cette femme vous dit qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas de rapport sexuel, alors Dieu fait confiance. Mais allez, Dieu fait confiance, ne demandez pas les bêta-ACG. Ou la fin, radite de 0, ou radite de voir comme à Meshakil Lakbar en pratique réelle, parce que demander tout scanner ou la radio, ou la radio enceinte. Donc, toujours, une jeune femme en âge de procréer, bêta ACG. Hadi Diroha Kanoun, fléka clinique. Elle consulte pourquoi? Pour des palpitations. Ou des palpitations évoluent depuis 1 à 2 mois. Pourquoi c'est important les palpitations ou la durée? Déjà, les palpitations, il y a le cas clinique où vous êtes patient seulement avec palpitations. Vous avez le chapitre de palpitations où tu fais les diagnostics.
les plus courants qui ne sont pas graves ou là, les diagnostics graves comme la fibrillation auriculaire ou là, et vous examinez, mais toujours palpitation ECG, parce que l'ECG, ou l'iradikhalina, n'a pas le diagnostic, ou jusqu'à maintenant, maradigoulou, puisque, ben, les autres détails. 1 à 2 mois, déjà, la durée, elle est très importante, mais les autres signes, parce que je suis venu déjà depuis deux mois, le cœur, donc, on voit les palpitations, mais d'autres signes. Donc, les palpitations, ils s'intègrent dans le cadre d'une pathologie générale. Ou tenir de la durée, elle est importante. Par exemple, en cas de fibrillation auriculaire, il a qu'un paroxystique ou la persistante ou la permanente. Donc, une fibrillation auriculaire ou déjà comme le patient ou bien des palpitations depuis plus de 48 heures, vous ne pouvez pas tout simplement faire une cardioversion, sauf il a qu'un état de choc ou là, parce que il y a le risque thromboembolique. C'est pour ça que vous devez faire avant anticoagulation. Mais la question de fibrillation auriculaire pour le moment, nous allons la jump ou nous allons la hache. Dans ces antécédents, on note un tabagisme actif à 14 paquets année. Donc, le tabagisme actif à 14 paquets année, après notre lecture, nous avons deux intérêts. Toujours, pensez à l'arrêter. Parce que la réponse sera dite en serveur. Kitbou, arrêt de tabac. Pensez par exemple aux étiologies cancéreuses, mais le cas clinique, on a remarqué qu'on a une symptomatologie typique des maladies, et surtout, les yeux paraissent brillants et sont exorbités. Donc, il faut penser à arrêter le tabac parce qu'il aggrave cette pathologie. Dès maintenant, tu peux donner la réponse. Elle a une annexectomie droite sur torsion d'annexe droite, des coliques néphritiques à répétition et un herpès génital récurrent. Donc, c'est pas très lié le cas de Tana, mais quand même, gardez toujours en tête, par exemple, torsion d'annexe ou là, il faut savoir que déjà, il y a une trompe de Fallot pour la nouvelle. Les coliques néphritiques, donc, surtout, par exemple, les médicaments qui sont prescrits ou là, tu as la nature de calcul, par exemple, il y a une hypercalcémie ou l'hyperuricémie ou bien du calcul de nature oxalique. Donc, ça dépend. Mais toujours garder en tête l'idée. L'herpès génital peut être en relation avec des maladies sexuellement transmissibles. Mais après notre lecture, on voit qu'il n'y a pas vraiment un grand rapport avec les questions d'anatomie, mais toujours raisonner de cette façon. Elle vous précise d'ailleurs que sa mère a un lupus érythémateux disséminé. L'information est très importante. Pourquoi? Parce que lupus, c'est une maladie auto-immune ou c'est un terrain auto-immune. Donc, il se peut que sa fille ait plusieurs maladies auto-immunes ou qui maladie chevelure déjà en dehors. Son père a fait un infarctus de myocarde il y a un an. Donc, il peut être un facteur de risque cardiovasculaire avant 55 ans. Son traitement habituel comprend citrate de sodium, allopurinol, probablement pour traiter les coliques néphritiques, mais je la nature donc, mais ce n'est pas important pour ce cas. Acyclovir et jasmine, qui est une pilule ostroprogestative qui fait drospirenone et éthinyl estradiol. Donc, qui a donc comme les médicaments, réflexe, fléca clinique, mais qui du traitement ou la prise en charge thérapeutique, il y a quelqu'un certains médicaments les inutiles, il faut t'absorber, il y a quelqu'un des contre-indications, il faut t'absorber parce que vous risquez d'avoir un zéro, il y a quelqu'un une association médicamenteuse dangereuse ou il y a quelqu'un une contre-indication. Donc toujours garder ce réflexe en tête. La patiente vous raconte qu'elle se sent fatiguée depuis 2 mois. Donc on voit 2 mois, 2 mois. 2 mois était à haute bzef. Donc, la fatigue, il y a souvent une relation, mais le tableau clinique est analysé. Mais quand même, toujours que c'est beau, la fatigue, il faut très jour les diagnostics probables. Mais puisque le terrain est analysé, la zone de recherche est restreinte, il y a de la fatigue. Et on va le savoir maintenant. Elle a perdu 2 kg malgré un appétit qui semble conservé. Donc, maintenant, une anorexie, ou là, je ne sais pas, une anorexie mentale, ou là, donc, arrêtez à cause normale, mais elle a un métabolisme ou là, qui est élevé, donc, qui a une consommation importante. Elle se demande si cela n'a pas rapport à une tendance avec la diarrhée. Et ou la diarrhée, donc, tenif, 2 mois. Et par hasard, les palpitations ont commencé à peu près à cette période.
Donc, gâchent les signes déjà nous oriente vers un diagnostic précis. Quoi d'autre? L'anamnèse vous permet de préciser qu'il s'agit plutôt de sensations de cœur accélérées, plus ou moins permanentes. Il y a qu'un gâchent les signes, mais pas de conche, vais-je déjà t'affoler le diagnostic? Un zid ou tenu. L'examen clinique est le suivant. L'auscultation cardiaque, les bruits du cœur sont normaux, réguliers. Donc, réguliers, elle dit déjà, traîner un chèque au moins dans une fibrillation auriculaire parce que les rythmes sont irréguliers. Mais attention, un flutter cardiaque est comme rythme régulier. Donc, régulier, elle dit. Et fréquence cardiaque à 110, elle a une tachycardie. Elle dit, le tachycardie, mais elle a le tableau clinique, l'hypdaga, d'après 2 mois chez une jeune femme et un terrain auto-immun. Et son souffle, la pression artérielle est à 130-65, normal, systolique, je suis à la limite, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. L'abdomen est souple, indolore, sans masse, pas de problème. La thyroïde, elle est hypertrophiée de façon homogène et avec un souffle à l'auscultation. Non seulement chefna, galicine clinique qui peuvent être avec un syndrome marouf en endocrinologie, mais tenéana, un goitre qui est hypertrophié, homogène et avec souffle à l'auscultation. Les ergots ganglionnaires sont libres et indolores et les yeux paraissent brillants et exorbités. Donc, Beina, quel est le diagnostic? Le diagnostic, on a les signes de thyrotoxicose. Les hormones thyroïdiennes sont élevées en de la femme, la jeune femme, elle a déjà terrain auto-immun, où elle consomme du tabac, ou elle a une exophtalmie, ou elle a l'exophtalmie, avec le goitre qui est homogène, ou elle a du souffle à l'auscultation, nous rappelle la maladie de Basedow, qui est une maladie auto-immune par production des anticorps anti-TSH, ou la TRAC, ou elle a les anticorps. Vont stimuler la sécrétion des hormones thyroïdiennes, un effet hypertrophique. Une petite remarque, l'orbitopathie basdonienne n'a pas de rapport avec l'élévation d'hormones thyroïdiennes. La cause de l'orbitopathie basdonienne, Huma, les anticorps anti-TSH ou l'accumulation des glycosaminoglycanes. Juste petite remarque, Madame Nardana, les yeux paraissent brillants, etc. On a fait l'orbitopathie. Toujours, on a par exemple pensé à faire bilan, toujours pensé aux soins oculaires. Par exemple, la thyroïde hypertrophiée, goitre, échographie. Parce que maintenant, on a fait le goitre juste la clinique. Il faut faire une échographie pour vérifier. Donc, on va répondre à la première question. Donc, la réponse à la première question. Il s'agit d'une hyperthyroïdie parce qu'on a le syndrome thyrotoxicose s'inscrivant dans le cadre d'une maladie de Basedow. Deux points, deux points. Les arguments qui m'ont toujours organisé votre réponse, je garde les arguments d'une façon anarchique. Je vous remets la réponse typique. Le terrain, il s'agit d'une jeune femme qui m'a tabagisme actif parce qu'elle aggrave l'orbitopathie basdonienne, les antécédents familiaux de maladies auto-immunes. L'argument de fréquence, parce que la maladie de Basedow, elle est l'étiologie la plus fréquente d'hyperthyroïdie. 50% des hyperthyroïdies sont la maladie de Basedow. Et l'examen clinique, on a deux signes. On a des signes de thyrotoxicose et des signes évocateurs d'une maladie de Basedow. On a les signes généraux, cardiovasculaire, palpitations, diarrhée, ou la diarrhée, l'hyperthyroïdie compte souvent motrice et amaigrissement. Et pour la maladie de Basedow, on a l'hypertrophie homogène de la thyroïde avec souffle à l'auscultation qui est caractéristique et une exophtalmie bilatérale. Donc, on revient à l'énoncé et aux questions. Donc, deuxième question, quel examen complémentaire demandez-vous? Avant de répondre à cette question, il faut déjà savoir ou connaître par cœur le cours des hyperthyroïdies. Il faut savoir organiser la réponse TACOM et garder en tête les informations mentionnées dans l'énoncé. Donc, déjà, on a l'hyperthyroïdie de la maladie de Basedow. Donc, il faut déjà la thyrotoxicose. On confirmera l'étiologie. Donc, Anna demande des examens complémentaires à visée diagnostique. Et après, on demande des examens complémentaires pour rechercher des complications. La maladie de Basedow a plusieurs complications, la cardiothyrose, l'orbitopathie, et parfois, on a la crise thyrotoxique, mais ce n'est pas le cas ici, elle est un traitement radical ou là.
Et on a un bilan à visée pré-thérapeutique. Donc, l'erreur à ne pas faire qui goulik dès les examens complémentaires, mais chez les examens complémentaires à visée diagnostique. Maintenant, demander le dosage hormonal, échographie ou ouvrir la base d'eau, comme maintenant. Non. Déjà, d'avoir même fait les palpitations qui me connaissent, demander un ECG. Déjà, tu ouvres bilan pré-thérapeutique, par exemple, une bêta ECG. Donc, maintenant, on va voir la réponse en détail. Et on saura comment répondre à cette question. Donc, la réponse à la deuxième question, qui m'a un bilan à visée diagnostique, pour confirmer le degré d'hyperthyroïdie ou thérotoxicose. La réponse en donne les hormones thyroïdiennes T4 libre ou TSH, mais les dernières recommandations, il faut premièrement doser la TSH. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Parce qu'elle est plus sensible et parce que souvent la cause de l'hyperthyroïdie elle est périphérique. Donc, les seuls cas, les cas dans ce TSH normal ou élevé, comme les cas de l'adénothyréotrope ou certains diagnostics graves comme la résistance aux hormones thyroïdiennes. Mais toujours, l'intérêt de les hormones thyroïdiennes libres T4 et T3, il dit en cas de doute ou déjà qu'il connaît des TSH. Donc, on a noté la T4. D'abord, il faut commencer avec la TSH pour confirmer le degré de l'hyperthyroïdie. Là, avant de parler de TRAC, on va parler de l'échographie thyroïdienne. Donc, l'échographie thyroïdienne, elle est indiquée pourquoi? Parce que déjà, un goitre, il faut confirmer l'échographie. Déjà, je vous la taille théo. Je vous par exemple, la maladie de basse d'origine homogène, hypoéchogène, c'est vous tenez le Doppler débit vasculaire par là. Et tenez pour éliminer un nodule ou là. Donc, s'il y a un nodule ou là, mais bien par la clinique, qu'on a en même temps un nodule thyroïdien. C'est le syndrome de Marine-Linehart. Par exemple, qu'on a une maladie de basse d'eau en même temps, mais un adénome toxique. Ou qui qu'on a un adénome toxique, la prise en charge, le même traitement. Donc, si nous devons une TSH basse avec un nodule, si nous avons une scintigraphie, etc., la prise en charge, donc l'échographie, elle est très importante. Maintenant, tu dis que tu as un goitre, mais tu trouves déjà l'échographie. Pour la scintigraphie à l'iodalité, elle est intéressante, il y a au trac pour le diagnostic étiologique, mais selon le consensus de 2016, on a oublié qu'on a un terrain typique, une jeune femme, donc une triade, une jeune femme, il y a un goitre homogène et une orbitopathie. Déjà, là, on retient le diagnostic de la maladie de basse d'eau, bien sûr, dans le syndrome de thyrotoxicose ou dosage de trac pour faire une scintigraphie n'est pas utile. Et bien sûr, on répète toujours, donc le goitre, mais cliniquement, il faut déjà le syndrome thyrotoxicose confirmé, des échographies pour confirmer que le goitre est homogène et tout, mais qu'il y a un nodule. Dans ce cas, les anticorps anti-TSH TRAC ou la scintigraphie n'est pas demandé. Mais si, en cas de doute, ou la triade mais je complète, on demande les anticorps anti-récepteurs TSH. En même temps une valeur diagnostique, une valeur pronostique, donc à la fin du traitement. La scintigraphie thyroïdienne à l'iode est très intéressante pour la thyroïde, mais la maladie de basse d'eau, toujours, c'est tout fait le cas, elle n'est pas demandée, mais qu'on nous dit, c'est bon, une fixation homogène diffuse. Bien sûr, toujours scintigraphie après dosage d'un bêta-ACG pour éliminer une grossesse, on dirait la première partie de cycle, ou de sous contraception efficace. Donc, il faut vraiment chaque examen complémentaire, tant que Zoraya, avant de me demander où l'être kitbou. Faites la question d'un dosage des anticorps anti-récepteurs TSH, parce que si je redis, ou la belle, parce que déjà, mange d'un échographie thyroïdienne pour confirmer le goitre homogène. Donc, tu as deux réponses, mais toujours préciser. Préciser, il est à faire avec la triade selon le dernier consensus. Comme on a les examens à visée diagnostique, donc on a les examens qui vont rechercher des complications. On a l'hyperthyroïdie déjà, la cardiothyréose, il y a complication la plus fréquente, donc ça peut donner des troubles de rythme. Et pour d'autres terrains, qui m'a par exemple le sujet âgé ou la coronarien ou l'insuffisance cardiaque, ça peut décompenser. Donc c'est pour ça on demande un ECG qui m'a gonné. Chauffe-toi, elle a gonné un ECG, ça?
On demande un ECG, surtout Fadi, pour éliminer une fibrillation auriculaire qui peut donner des emboles ou des complications graves. Le deuxième bilan d'une complication, les complications de la maladie de Basdoria, l'orbitopathie basdonienne. Donc, on vérifie s'il n'y a pas de signe de malignité. Donc, l'orbitopathie va être bénigne ou la maligne. C'est pour ça qu'on demande un bilan ophtalmologique, dans lequel on va mesurer l'acuité visuelle, champ visuel, exophtalmométrie, donc à soit l'ophtalmo, un chouffou la taille, un chouffou chhalaïkhaj, un chouffou cliniquement, il a qu'un ankymosis, un œdème palpébral douloureux, une paralysie, donc il y a des signes de gravité. Ou tenez demande, tenez plus ou moins un TDM orbitaire pour mesurer la taille, pour éliminer, par exemple, en cas d'unilatéral, éliminer une cause timorale ou là. Donc, n'hésitez pas à demander un TDM orbitaire. Dernier élément, donc, on a des examens à visée prithérapeutique. Voilà, par exemple, bêta-ACG. Comme tu vois. Il a quand même des touches bêta-ACG, a dit de 0 à la question. Ça veut dire, garde les réponses, les données, 0. Ou bien, je me dis, c'est vrai, je suis magouna, toujours. Jeune femme, dis-le. Surtout faire les maladies thyroïdiennes et tout. Parce que le traitement, déjà, il est tératogène, parce qu'on peut demander une scintigraphie, parce que, etc. Et NFS. NFS, pourquoi? Parce que les antithyroïdiennes synthèse les radis marcohum. Déjà, pas une granulocytose, donc il faut voir bien les leucocytes et la norme, donc pour ne pas exposer le patient à un risque. Et le bilan hépatique, tani pour les effets secondaires du traitement, les radis médoux après. Donc voilà une réponse typique. Toujours penser à organiser visite diagnostique, recherche de complications, visite prithérapeutique, ou le piège, vous vous concentrez seulement sur le diagnostic parce que vous allez perdre tout ça. Vous voyez l'intérêt de bêta-ACG. Alors maintenant, la troisième question, on revient à l'énoncé. Et la troisième question, c'est quels sont les principes de votre prise en charge? Avant de commencer à détailler la prise en charge, qu'il y a plusieurs choses à une en considération. Dites-vous les données de l'énoncé en tête avant de répondre. Il faut maîtriser la prise en charge de l'hyperthyroïdie et de la maladie de Basdo. Et si vous classez les questions TACOM. Donc, le traitement dans ce cas, il y a une complication là, il sera en ambulatoire. Donc, comme le traitement symptomatique, comme le traitement spécifique à l'hyperthyroïdie, comme certaines mesures associées à la zimstinserum. Et dernièrement, la surveillance. Donc, quelle réponse t'as connu à des diplômes si tu classes au MACA? Donc, voilà la troisième réponse. Kimaguna, la prise en charge sera en ambulatoire. La patiente maradishin hospitalisera parce que ça se traite, ben, des complications. Là, on suppose. Donc, ça se traite en ambulatoire. Le traitement, on commence avec le traitement symptomatique. Vous savez, l'hyperthyroïdie, les hommes toujours repos, arrêt de travail et même il me donne un traitement anxiolytique benzodiazépine pour minimiser le stress parce que déjà la patiente arrive en hypermétabolisme, les signes sympathiques sont élevés, il faut le repos, il ne faut pas tester ses ORA, il faut des anxiolytiques. Ou c'est une bonne excuse, best embêter son mari bien sûr. Et il faut surtout, le traitement le plus important, c'est donner les bêta-bloquants non cardio-sélectif propranolol parce que ça va ralentir la fréquence cardiaque, maladie ce rythme, ou tenir le temps les antithyroïdiens de synthèse idéolifée, l'asthme donne les bêta-bloquants. Et tenir, on s'assure qu'il n'y a pas une contre-indication, les contre-indications des bêta-bloquants parce qu'on observe les contre-indications. Deuxièmement, le traitement spécifique, les antithyroïdiens de synthèse. On a le carbimazole ou bien le PTA. Les antithyroïdiens de synthèse vont prendre du temps pour agir, donc un mois ou 2 semaines ou là. Et c'est pour ça qu'on met les bêta-bloquants et le repos, l'arrêt de travail, etc., pour donner le temps à ce traitement pour agir. On peut donner directement des doses kbar. Bachne bloque totalement la fonction thyroïdienne ou badin les hormones thyroïdiennes qui m'aiment. Ou là, on peut dire la titration de Naxoubichouia, on dose les hormones thyroïdiennes et on retrouve l'équilibre. Troisième pilier, c'est les mesures associées, donc à la protection oculaire. Il y a quand même des rouages, radite de 0 à la question.
Pourquoi? Parce que عند exophtalmie عينيها غادي ينشفوا غادي يبقاو اكسبوزي طول الوقت غادي تصيبوها افيك دي كيراتيت افيك دي انفيكسيون قاعده تخسر عين ولا عينيها في زوج سي بور سا يفو دوني لي لارم ارتيفيسيال لينات دو سولي اي اوكليزيون بالبيبرال نوكتورن دوزيام بوين اري دو تابا سي اوبلي عندكم موان 5 دونك غادي تخسروا 5 بوين سي فو لوبلي دونك فو فوي لانتيري دو بونسي ا اريتو لو تابا دي لينونسي. Pourquoi? Parce que le tabac, tout simplement, aggrave l'orbitopathie bastonienne. Contraception efficace, il a qu'un situa, radite tout, zéro. Pourquoi? Parce que les antithyroïdiens de synthèse, kimagunan, aoudungulu, sont tératogènes, ou tani, fait le tirant à l'hyperthyroïdie en général, radite tout, une scintigraphie. Là, donc, toujours penser à la contraception efficace. Dernièrement, on a l'information et l'éducation de la patiente et de sa maladie, son traitement. C'est évident, mais oui, il faut que tu aies la patiente, tu as une maladie de base de l'eau. Laisse-moi te faire le traitement que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu après deux semaines, un mois, donc ça dépend. C'est pour ça, comme le traitement symptomatique qui va prendre le relais durant la période. La maladie de Taha, la durée du traitement, ça va prendre de 12 à 18 mois. Ou la fin, il y a un risque de rechute de 50% pour discuter un traitement radical. Et dernièrement, avec les risques indésirables des ATS. Les médicaments, ce n'est pas des bonbons. Donc, les médicaments, ils ont des effets secondaires, ils ont simples ou graves. Ils ont un ictère qui va nécessiter l'arrêt de traitement, ils ont une fièvre, ils ont un. Ce n'est pas des arthralgies. Mais surtout, l'élément qui est le plus important, c'est la granulocytose médicamenteuse. C'est une urgence. C'est pour ça que tu as dit l'ordonnance de NFS. Tu as dit que tu as une fièvre directement. Tu as l'ordonnance de NFS pour vérifier la granulocytose. Ça veut dire les globules blancs de la neurine. Et elle ne pourra pas combattre une infection. Et le dernier pilier, c'est la surveillance. Pourquoi? Surveiller l'efficacité de traitement, donc clinique. Les signes TAHA vont régresser, les signes oculaires, les signes de thyrotoxicose. Et paraclinique, elle va surveiller le T4 libre mentionnel, puis elle va surveiller le TSH une fois le T4 normalisé, parce que la TSH, déjà, elle est très sensible aux variations. Donc, il y a plusieurs protocoles, mais je vais en faire détail. Toujours, n'hésitez pas à revenir les cours, à vérifier le protocole. Par exemple, chaque mois, chaque deux mois, etc. Ou la demander l'avis d'un spécialiste. Et dernièrement, tolérance du traitement. Donc, on voit la clinique, la température. Pourquoi? Parce que si elle a une fièvre ou elle a directement des NFS, revêtement cutané ou la arthralgie, quelques effets secondaires. Paraclinique, tu m'as couru l'ordonnance. NFS, une fois par semaine ou là, chaque 10 jours, les deux ou le premier mois. Puis une fois chaque mois. Pourquoi? Là, il a qu'elle a des NFS faire de la durée. Par exemple, chaque 10 jours, les deux premiers mois, ben tous les chaque mois. T'as tout là une ordonnance. Ouais, d'abèche. Rétablir une fièvre ou là le moindre signe d'infection. Là, tu as des NFS rapidement parce que la granulocytose, c'est une urgence qui tue. Ça veut dire mandage les globules blancs pour combattre une infection. Donc, une information simple qui m'a dit. Pas d'être sauvé une vie. Donc, ne prenez pas les choses à la légère. Vous voyez, la maladie de base d'eau, elle est très facile à diagnostiquer. Mais qu'est-ce que je vais acheter des diagnostics? Mais pour penser à tout ça et faire cette réponse bien structurée et détaillée, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant de pratiquer les cas cliniques ou de voir vraiment la pratique réelle, à quel point elle est difficile. Alors que maintenant, la première partie qui concerne l'hyperthyroïdie ou la maladie de base d'eau, donc la question diagnostique, la question examen complémentaire et prise en charge. Alors maintenant, on a de la partie bonus et vous pouvez maintenant, par exemple, faire pause, lire l'énoncé et essayer de deviner le diagnostic ou là, ensemble et voir c'est quoi le diagnostic. Donc, la patiente revient 2 ans plus tard aux urgences. Pourquoi? Parce qu'elle décrit en effet une faiblesse musculaire des membres, et ceci depuis le début du mois. Donc, la faiblesse musculaire, elle est croissante lors de l'effort, fluctuante dans la journée,
et elle est associée à une asthénie importante. La symptomatologie s'est aggravée avec apparition d'une difficulté à la mastication, d'une diplopée intermittente, surtout le matin, et une fatigabilité à la marche avec essoufflement. Donc, ça les signes fonctionnels. Donc, l'examen clinique, vous notez un ptosis bilatéral prédominant à droite, une faiblesse musculaire proximale bilatérale, plus une dysarthrie de type paralytique. Les réflexes ostéotendineux sont normaux. Ce sont des signes négatifs très importants. De même que le tonus musculaire, il n'existe pas de déficit sensitif au sphinctérien. Donc, à l'examen neurologique, ça fait des signes négatifs très importants. Les coups de on a beaucoup de problèmes. À l'auscultation pulmonaire, donc le murmure vésiculaire est bilatéral, symétrique. Elle respire, donc le reste de l'examen somatique et son particularité. Donc, quel est le diagnostic et justifier votre réponse. Donc déjà, avant de commencer à répondre à cette question, il faut savoir que la patiente a un terrain auto-immun. Donc, elle a la maladie de Basedow, sa mère a le lupus érythémateux disséminé, et donc elle revient avec un tableau clinique qui ressemble à une maladie tannée auto-immune, et elle a le tableau typique. Donc, chez elle, dans 2% des maladies de Basedow, on a la myasthénie grave. Pourquoi? Déjà, il faut donc organiser notre réponse. On a le terrain, donc le terrain maladie de Basedow ou lupus, etc. Et on a des signes typiques de la myasthénie, des signes fonctionnels, ou surtout il y a des signes négatifs. Ils vont faire la différence avec d'autres syndromes neurologiques. On verra maintenant la réponse. Donc, la réponse à la dernière question, le diagnostic, il s'agit d'une myasthénie généralisée. On verra pourquoi généralisée. S'inscrivant dans le cadre d'une polyendocrinopathie auto-immune de type 2. Donc, c'est un syndrome qui fait plusieurs maladies auto-immunes. Et la myasthénie, elle est évoquée. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut toujours organiser la réponse. On commence avec le terrain. Une jeune femme avec des antécédents auto-immuns personnels, donc elle a la maladie de Basedow, et familiaux, donc lupus érythémateux disséminé chez la mère. Plus les données de l'examen clinique, on a des signes fonctionnels, donc fatigabilité musculaire maximale en fin de journée, avec prédominance proximale. Des signes physiques, on a déficit musculaire bilatéral du fait et non systématisé. Et surtout les signes négatifs, donc pas d'atteinte neurologique centrale, pas de troubles sensitifs sphinctériens et le tonus musculaire, elle est normale. Donc, pourquoi on a des signes négatifs? Parce que toujours les syndromes neurologiques, on a le syndrome pyramidal, le syndrome neurogène périphérique, le syndrome myogène et le syndrome myasthénique. Les signes déjà, les trois signes, et éliminons le syndrome pyramidal et le syndrome neurogène périphérique. Le syndrome myogène, maladie qui compte caractéristique au figure de l'hygiène fonctionnelle, mais pour l'éliminer, maladie chez sébo est une amyotrophie. Donc, le syndrome myogène, il confère une amyotrophie. C'est pour ça, c'est le syndrome myasthénique. Ou la myasthénie, elle est généralisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte oculaire, bulbaire et squelettique. Donc, bulbaire, c'est à cause de ces problèmes de type des artères, etc. Et squelettique, donc, de la faiblesse et tout. Et la myasthénie s'intègre dans le cadre de la polyendocrinopathie auto-immune de type 2, car elle est associée à la maladie de Basedow. Donc, c'est très intéressant de jeter un coup d'œil sur la polyendocrinopathie auto-immune de type 1 et de type 2, voir les diagnostics et toujours faire le terrain. Il faut, parfois, on peut même faire un bilan pour explorer les autres pathologies. Une petite remarque, toujours, devant la maladie de Basedow, Khamou fetera auto-immun. Khamou bli la myasthénie, déjà, elle est très fréquente, dans 2% des cas de la maladie de Basedow. Et surtout, n'oubliez pas que les benzodiazépines sont contre-indiquées pour la myasthénie grave. Donc, si tu couvres des signes de la myasthénie ou là, ne prescrivez pas de la benzodiazépine à une femme à la maladie de Basedow parce que la benzodiazépine, elle est contre-indiquée pour la myasthénie grave. Alors, on arrive à la fin de notre cas clinique. J'espère que c'était tout.
اليوم ركزنا سورتو على كومون فير اون اناليز جينيرال. وي اون بو ريبوندر ا سو كا كلينيك رابيدمون، مي جي في بوكو دو كومونتير اكسيتيرا باش تتعودوا على هاد لي رومارك ولي زاستيس اللي ما يخلوكمش تنساو. اي تاني ركزنا على ليبرتيروفيدي ولا مالادي باس دو، دونك دونا بوكو دو كومونتير اللي فريمون ما عندهمش ليا مع لو كا لوي ميم، مي جيست بور فير ان بوتي ريجيمي سور لا مالادي دو باس دو. Donc, si vous avez des questions ou là, des suggestions ou là, des propositions, n'hésitez pas. On se retrouve dans une autre occasion, inchallah. Kalam akoum Bennaf Lassid Ahmed, étudiant en 6e année de médecine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.